Bonjour Excellence, Monsieur le journaliste. NASA, président national et Action Peuple d'abord, je réponds au nom de Willy Kapanga. Président Willy Kapanga, votre alors partout dans le monde entier, tout le monde a souhaité la bise. Comment on a premier ministre habitué pour ça la médiation aille à ce rouleau bancaire, bilan aille ici que ça a largement profité dans 100 jours où il y a ici pour ça. Effectivement, le premier ministre a donné un bilan qui est très largement positif. Bilan aille ça très largement positif pour Nanine, pour Namakambo et cela mis dans 100 jours. Et l'équipe bateau est basée libre à 30 ans, 20 ans à pouvoir. Nazo PCO et Yann. Il y a Moutouya, il y a Liambo. Et ça, problème, il y a niveau diplomatique. Le gouvernement actuel a amélioré la condition, la relation bilatérale entre pays abyssaux et pays étrangers. Et Bélé, tout ce engagement, pour la situation à Égypte, où il y a Kalamingité, il y a une nouvelle ville. Il y a Nakati Amboka et Abisso. Tous les engagements, on a pas payé, mais tous les engagements pour Bango Bazouapé, 50, puis peut-être tous 50 selon notre politique. Ça, c'est sur le plan diplomatique. C'est que nous sommes en bonne relation avec tout le monde, tous nos voisins et le monde entier. C'est un point très positif. Cependant, qu'il y avait un moment où Congo, avec une relation, il y a malamouté, n'a pas étranger, ils ont quitté. Payé, belé, tu vois, nous avons quitté. Le rôle d'Israël. C'est le gouvernement actuel qui a renoué la relation avec Israël. Alors, Mokamwane Laksi, c'est un gouvernement sur le plan diplomatique et dans de bonnes relations. Ça, c'est un. Sur le plan financier, le gouvernement actuel a réalisé pour la toute première fois un bilan très positif dans le sens que nous avons maintenant ce qu'on appelle les réserves bancaires de plus de 3 milliards de dollars. Ce n'est pas chose facile. Nous devenons maintenant crédibles face à la Banque mondiale. FMI, parce qu'on a quand même des réserves bancaires. C'est-à-dire, en dehors de nos dépenses, en dehors d'autres choses, nous-mêmes, nous avons plus de 3 milliards qu'on peut affecter dans d'autres projets. Ça prouve que c'est un gouvernement de bons gestionnaires. Cependant, ce qui se disait grand professeur en gestion, au mal gérer ces pays par le détournement. Alors, c'est un gouvernement de responsables. Sur le plan financier, il y a des avancées. Sur le plan social, je pense qu'on est en train de négocier pour social et équitable. Il y a Colia et Monana. Basoso et Ya. C'est ça. Le social a 8 points. À savoir le transport. Deuxième chose, le commerce. Troisième chose, les routes. Hein? Il y a le transport, route. Il y a communication. Il y a santé. Il y a logement, il y a éducation, il y a santé, il y a salaire, il y a le logement, il y a éducation. Alors plus de 8 points. Oui, Bazan Katia, ils ont touché social à peuple congolais. Mais nous avons commencé d'abord par l'éducationnel. Alors, c'est pourquoi à notre troisième point, en dehors des finances, nous avons aussi ajouté l'éducation. L'éducation, c'est dans le social toujours. Actuellement, le seul gouvernement où abimisi na enveloppe ba bande koyi bakala. L'actuel ministre abimisi na enveloppe wa na 2500 pour payer quand même a futa bato yo balingi ba kende passion. Mutako sara 40 ans de service, c'était 50 ans de service, c'était alembi na ye, il faut kende passion. Mais na enveloppe ba bande ka koyi ba wana Abimisimbongwana a pèsé plus de 60 personnes qui ont pension. C'est-à-dire que ce sont un gouvernement déresponsable. Côté éducation, ça marche. Gratuité de l'enseignement. Je viens de vous dire que actuellement, Banoué Batiko Sala, Bana Congo, Mobimba Baseli, tu as fait pour la première fois gratuitement pour partout au Congo. Je ne sais pas si vous voyez ce point-là. Il n'y a pas une semaine. Kiaï, tu as fait. Bana Baseli, tu as fait pour moi gratuitement. Bafutaki Mbongote. C'est le gouvernement responsable qui a supporté ça. Sur le plan territorial, dans la défense,
le gouvernement qui a fait le meilleur pour que l'Est soit en paix. Parce que la mission, hein, on juge un gouvernement son bilan par rapport aux objectifs. Objectif de PSA qui gouvernement Isaac Mibale, premier objectif, c'était Batia Kimia na Est, c'est-à-dire la paix à l'Est. Et deuxième chose, social des peuples congolais. Deux grands objectifs. Et parmi les deux grands objectifs, je pense que le premier objectif, Kimia dans la S, on a combattu à 85%. Ce n'est pas 100%, mais déjà à 85%, l'Est est déjà en paix. Et on continue l'opération. Maintenant, de l'autre côté, on est en train de militer pour Batubali, Social et Zonga, pas seulement Kolia, mais les transports aussi, les salaires aussi, le travail, l'emploi, le transport, l'électricité, le courant, l'eau, tout ça. Nous avons mis sur pied à plus de 400 bus pour le transport et les travailleurs. Nous avons augmenté le salaire des travailleurs, à l'occurrence, enseignants. Enseignant, babandé kofutaye 160 000 francs congolais. Maintenant, un enseignant touche 350 000 francs congolais. Il y a eu élévation à salaire. C'est-à-dire c'est un gouvernement qui est pour le social du peuple congolais, ou à Bouzobunda. Sur la défense, j'ai parlé qu'à l'Est, il y a maintenant la paix. Et on est en train de renforcer cette paix jusqu'à 100%. Mais on est déjà à 85%. Mais s'il y a des omettes, ce sont les gens qui se sont enracinés à l'Est il y a plus de 20 ans. Batouane Vavane na Est, c'est pourquoi pour Nabango il y a comme un système de vie. Ils sont assistés par le monde extérieur, ils sont assistés par les lobbies internationaux. C'est pourquoi ils continuent à faire des opérations comme ça. Président Willy, oui, au PC Bilon, il y a Samaloukonde, on a point par point. Pourquoi tu as dit que quand tu as dit que 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 tu as bien aimé, Omoni, à tout seigneur, tout honneur, République démocratique du Congo, a été battu par Sambelak. Omoni, que, potoke de na battu, oye baza netre, oye baza côté gauche ou droite, te baza na katikati, topo na ba église, baba na kopé se biso muntu moko, oye ako leka, aza likolo ya, ya seni. Mais tant que vous avez une chance dans l'église, vous remarquez que l'église est corrompue. Vous avez une chance dans l'Ubumbashi, vous avez une chance dans Kingakati, vous avez une chance dans l'Union européenne, vous avez une chance. Vous avez une esclave, vous avez une chance dans l'église, vous avez une chance dans l'église. C'est ça qui est très mal. Alors, soi-disant, vous avez une chance dans l'église, vous avez une chance. Mais en général, je dis qu'en général, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas toujours corruptible. Il y a eu des gens, des hommes de Dieu, des pasteurs, qui ont défendu le peuple congolais. Ils ont trouvé que, selon les critères, des choix, chaque sur place, ils ont éliminé plus de 180 candidatures. Et il y a des candidatures qui ont été balayées. Il y a une élection. Dans l'élection, il y a une 6 sur 8 confessions religieuses qui ont voté Moutou parce que Moutou a un critère favorable. Deux, résister. C'est normal. Dans les votes, dans les choix, vous ne pouvez voter qu'à 100%. Même si vous votez à 80%, 90%, vous avez aussi droit de. Alors, après l'élection à Bango, Non, c'est la loi de la majorité. Nous sommes en démocratie. Ceux qui sont majoritaires vont voter. Alors, on doit faire les élections se sont faites, on doit donner la chance à la majorité. Raison pour laquelle, ceux qui ont été en train de se faire, ils ont l'intention de satisfaire l'intérêt et non l'intérêt du peuple congolais. Le peuple congolais a besoin de quelqu'un de très sûr. En 2006, l'Église catholique a résisté contre Malouté, parce qu'il y a des gens qui ont été en train. Mais 2011, à Boyaki, 2018, OIP, à Boyaki Nanga. Vous savez ça, il résistait toujours. Aliga ki mutu na ye parce qu'il y a un bon quelque part, abim se mutu ya ko pesa majorité na kana bango. Nous voulons cette fois-ci un président ou yaza honnête, abim se mutu et peuple à voter. C'est ça le souci. Tout en a besoin de majorité quelque part, ouais, qui est na kan te solo parler te population à se manifester. Abim se mutu et balingi, mutu na telema pour pesa peuple avenir ya mboko. C'est le Parlement. Parlement corrompu, Parlement yamabe ou bateau banomé par Moutou. Moutou n'a pas été intimidé, Bango, à quoi on a fait cette injonction. Mais ce qui est le Parlement, où le peuple a voté, il y a un peuple.
Je vous donne un exemple. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais fait la loi sur les salaires des gens. La loi, la Constitution nous donne le pouvoir de répartir équitablement. Hein? Richesse en boka na batunyonso. Mais ti le lot, richesse est tournée vers un individu. 32 personnes, bazan a plus de 930 milliards de dollars. 32 personnes. Cependant que nous sommes à 100 millions. Mais 32 besoins zombon union soit en abyssé de rien. Pourquoi? Et budget na bango na y a 32 personnes. Oh, un rapport à Mampinga. Et l'équipe budget aux États-Unis. 932 milliards. Vous voyez que Batouana Bazan a souci à Kusonga Mbokana Bisote, Bazan a souci à peuple congolais se retrouver. Vraiment bien aimé, société Kobonga avec salaire normal. Prenez votre taka, tout le sentinelle, hein, de huissier, Bazan a 500 dollars. Ils peuvent survivre. Ils peuvent survivre. Mais salaire de base, c'est la carte dans le Congo. Au Congo, on a un peu de footaboy. Au Congo, côté, les acaboyités. Un pays doit avoir. La loi, ce n'est que Makambo, pas besoin de faire la loi. Mais Makambo, ils ont paix sociale, le peuple congolais, valeur, Bazan a gangoté. Oui, bah, on a eu quelque part là. Bango mo se pesi bango 3000 dollars eh te zamuke bati sa 6000 bati sa 12000 pona côté bango emat mais côté à peuple oyo des petits peuples alors que c'est les souverains primaires oyo après ce bato na pouvoir présent wili na munisi ko do malam ni kambo itali pe ba ba i député ngo ci ko ba loi aussi comme on a loi moko te ko ah on a comme on a na ne kam ka seni kaka voilà on aussi au cas où seni une solution à longue. Quelles sont les décisions peut-être le président de la République peut faire pour sauver dimanche en Bocan 2023? Merci papa. Je pense que la procédure est normale. Ma petite bango chance, parce que ma solution na bango, le PV sont déjà venus. Na minute et basu PV wana, ma petite service ya PAJ. PAJ c'est celui qui est chargé de d'étudier. Effectivement, quels sont les gens qui doivent être détenus. Alors, la commission WANA, je pense, d'ici la fin du mois, PSI va nous donner des solutions. Le président de la République attend seulement les résolutions qui vont venir de l'Assemblée. Attend la commission Mukewe, confession religieuse, Babimisi, Batindi, c'est l'Assemblée qui va voter et donner le rapport au chef de l'État. Mais quand on analyse toutes les données, on a trouvé que celui qui était majoritaire a la chance de passer. Alors je pense qu'il n'y a pas tellement de problèmes. Donnons la chance à l'Assemblée de faire ce qui est favorable pour que le peuple congolais vive. Parce que nous ne voulons pas continuer avec les négociations, une majorité composée. Il faut toujours la majorité où le peuple a délégué pouvoir nailler pour Basunga volonté à peuple, ba aider paix, changement en bok na biso. Justice à deux problèmes, si on va y accéder à ce que c'est peine, les camos de justice, comme on a un bon secrétaire général et IDP, ce que c'est Kabouya, à cela il continue à propos méchant naïe envers vis-à-vis cardinal Fridolin en Bongo. Et aussi comme on a ça à la bête point de vue belé qui a aussi sa commentaire, mais lui qui quand même a ses skis à qui, au moins le point de vue à Bongo était que. Le secrétaire général est parti. Pourquoi vous jugez en dégain selon. Bon, le propos engage que l'auteur. Personnellement, je respecte beaucoup mon séjour, je respecte tout le monde, je respecte Mbongo. Mais ce que je sais, que si vous êtes dans l'erreur, en tant que responsable, il faut tout l'accepter. Ah, vous en arrêtez. Tu vois, tu as dit l'église était au loba, alléluia, amen. Non, ça c'est un monde autre. Soit il y a une politique, il y a que la tête de la politique. Soit il y a une messe, il y a une messe, il y a un pantalon. Ou bien la tigre de Salimès, et Rakate, mais sur le lingo sale politique, l'ongola soutani, il y a quatre sale politique. Sur le lingo sale mess, la tape soutani, tellement les bossons n'ont pas de bacalis, c'est normal. Tout le monde a positionné les éclairs. Là, peut-être on a raison. Mais nous ne sommes pas là où on peut dire Alléluia, Amen. Non, ce n'est pas une église, ça c'est un monde tout autre. Il faut respecter tout. Respecter le règle du jeu. C'est ce qui est très important. Loi Tchani, division sur cas où valider loi Tchani. Bon, bien aimé dans le Seigneur, chers collègues et chers journalistes, je vous dis en franche vérité, la loi Tchani, c'est la maîtresse du pouvoir. Pourquoi je dis ça? Cette loi n'existe pas seulement au Congo, mais même ailleurs. Je vous donne l'exemple de l'Algérie. Pour Obima, osa la candidat président de la République, il faut osa la d'abord musulman. Ezela originaire ya mboka
mwasi na yo originaire ya mboka église na bino ezala ka église ya mboka on est allé jusqu'à 6 ou 7 points pour obima candidat mais awo ya biso ko mona Tanzanie aye abandiko ko munza biso lobi ko mona Rwanda moko aye tozala ki awa na bizimakara bizimakara pour le moment il est au Rwanda tozala ki awa na chef d'état major il était ici et il a commencé par Ouganda là-bas chef d'état major ayawa chef d'état major azongi na Rwanda chef d'état major tokomi pays moko bieza ndengeni ça c'est un tozaki na DGI DGDA directeur général pendant 20 ans au bokilo ya kabila et consort tango akufi Rwanda réclamé ebembe eke na Rwanda tozaki awa na directeur de cabinet ya Mobutu tango makambo yindi azongi kuna tozaki awa na Willy Bakonga, ministre ya EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Azraki au Congolais. Tango ayibi mbongo balandie par la justice, akimi akatsi Congo Brazza, abimisi mikanda mususu akomi américain. Est-ce que vous pouvez voir l'idée de quel type on a? C'est qu'ils viennent ici pour payer le pays, nous laisser dans le désordre, parce qu'il n'est pas un bango. C'est que Baza ba Congolais originaire. C'est pourquoi Paul Leka, chef de l'État, Paul Leka, directeur de la banque, Paul Leka peut-être enseignant dans l'église catholique, il faut être catholique, vrai ou faux. C'était loi de la bango. Et ça, bon, était. Alors, si loi n'est pas dans l'église, si loi n'est pas dans la banque, pourquoi pas pour la République démocratique du Congo, il y a un poste clé aussi. Tout le poste clé, il y a un poste chef d'état-major général, Azar Rwandais, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire au Congo? Vous comprenez qu'on ne peut pas vendre les patrimoines nationaux. Les pays, le Congo, c'est un patrimoine national que nous ont légué nos aïeux. Nous devons protéger ça pour donner sur nos enfants. Il n'y a pas un pays où on peut mieux vivre comme le Congo. Il n'y a pas un pays où tout le monde est en train de voir. Dieu nous a donné une belle robe et cette robe est enviée partout. La RDC, c'est une jolie fille du monde où tout le monde envie, si vous ne savez pas. Effectivement, monsieur le journaliste, nous avons des petits problèmes. Je pense que ce n'est pas une messe à faire, c'est-à-dire déloger Munguno et Avandi à Tchemisissa pendant 20 ans, à temps Zété. On dit qu'ils étaient écoli pembe nanda. Zété wa ne sali 20 ans. Ce lingo longola misisi ane. Je pense à temps assez en Zété nda ko na yo. Misisi en Zété ne sekoti. Vous comprenez ça? Ce loni kan Zété pembe nanda. Et sali 20 ans. Misisi ya ya nani wana ya ya Zété wana. E kuzalati na si nda ko na yo. Alors au kolobate ke lelo na zo longola ta ko pikulango na ba misisi nyonso. Vous allez encore toucher la maison. Raison pour laquelle batwana ba sali plus de 20 ans. Ils sont à l'aise. Ils s'habituent. Ils ont des minéraux, ils ont des kénécothèques, ils ont vivre. Tant que vous pouvez faire la bango, ils ont la facilité. Alors ce n'est pas une facilité. C'est une guerre que la RDC a fait l'effort pour tout récupérer. Mboka na biso ko la est mobimba to bana mboka ba se retrouver. Mais je sais à 85% l'est est déjà récupéré. Il reste quelques points par-ci par-là où bah monter mamabe, bah ce sont des cas sporadiques, c'est-à-dire au moins bah 3-4 babimi, babumi bato, bazongi. Na moyi, baza ba congolais, na buto, ba komi ba rwandais. C'est ce que nous trouvons. C'est pourquoi la loi Tchani a très des importances très capitales. Il faut tout recenser na est, c'est-à-dire bah, qui est congolais, qui n'est pas congolais. Bah tout ceux bazo ya na moyi, baza ba congolais, na buto, ba komi ba rwandais, bah niko bomo bandeko na bango. Alors il faudrait maintenant tous ces recenser tous les qui est congolais qui ne l'est pas. Si vous avez du père et des mères, hein, des pères et des mères, vous êtes congolais. Là, vous avez droit à votre document. Même en Angola, il y a des documents. Pour le moment, messieurs les journalistes, est-ce que vous avez une carte qui prouve que vous êtes congolais? Mais qu'est-ce qui peut me prouver que votre pays, ce pays vous appartient? Tout un grand pays, une grande nation, sans carte d'identité, sans identité. Comment est-ce qu'on peut y aller?
ailleurs, avec quelle valeur. Baboto le bakar to mubuto pesa ki biso. Tozaki bana mike to koli na bakati ya milayi de couleur verte. Babande ko koma mutu na identité na ye bazo pesa pena détail. Soko zana bana marié consort. Mais le lot est allé sous ce type de Rwandais, n'a pas étranger, c'est pourquoi nous avons perdu cette identité-là. Il faut tout revenir. Ça, l'identification, le recensement, tout le qui est congolais, qui n'est pas congolais, tout le monde est infiltré. C'est depuis 1960, après l'indépendance, que Rwanda a commencé à infiltrer le Congo. Donc, les Rwandais, ils ont trouvé qu'il y a des richesses. Na ye communauté internationale va s'impliquer au bandeau exploité. Alors ce tolongoli bango et kolonga ka facilement, il faut toujours des processus. On va y aller sur le plan diplomatique, sur le plan militaire pour que estoa na bazala na paix. Je pense que le chef de l'État est déterminé avec la population congolaise. Nous sommes tous déterminés pour tout éradiquer la situation ya ba bango na biso na est. Ça va aller. Pourquoi il te comme ce que monsieur na biso mon na suke zani vraiment. Vraiment, nazo senga papa, maman, toza congolais, toza congolaise, tosunga mboka, tosunga mukunzi mboka, tosalabiso nyo, toza l'ensemble, soyons tous ensemble derrière les chefs de l'État, tous soutenir vision naye. Vision naye, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord, ezanga et ezayo, ezabiso nyonso pona Mbokoyo, Mbokoyo eza eloko bakoko bapesa kibiso to batelango bato ba se retrouver to za na richesse belé bana mike misale ezate e console to ya to tonga mboka yaka na makanisi na yo contribuer aussi au développement ya mboka na biso yaka na musoloza nango to contribuer po ba oyo bayibaki bakende na ba kesi na bango bi misa mboka na bazongisa e belé bazo kima kima e belé bazo kanga makanga ma parce que bazingi na bazanga motema be mais ce que misi mbongo yo yibaki. La justice est justice pour libérer. La loi, elle dit, mais c'est la loi. Alors nous devons faire tout un effort pour tout un chacun dans son domaine. Donner le meilleur de nous-mêmes pour construire notre pays. Il n'y a pas un pays qui soit meilleur comme le nôtre. Attends qu'il y ait aux États-Unis, attends qu'il y ait en France, mais vous êtes à l'aise, très à l'aise chez toi. Na mutukozo ki tambola nango au parquet. Parking wa nokofuta, mutuko kufuta, kurango kufuta, mais au peut-être kurango zo kayapam. Ah, on a stationné n'importe où, comme tu veux, droit à Nézarakate. Nous sommes Congolais, ça c'est notre pays. Vraiment, soyons fiers de ce pays, cherchons à donner le meilleur de nous-mêmes pour que le pays change, que l'avenir nous soit meilleur. Il n'y a aucun étranger qui viendra changer ce Congo. Si Bissomoko, Topi Pessi ou bien tout un chacun, Pessi et Fournaye, contribution naye pour le relancement de Mbokana Bisso. Mbokana Bisso pendant 58 ans. 30 à Mobutu, on a 20 ans, on a alors, nous avons perdu. Pour reconstruire le pays, ce n'est pas d'année un jour. Tout le monde a dit que le pays grâce à une baguette magique, le président a échangé. Tout le monde a fait petit à petit. C'est pourquoi il est en train de s'investir dans chaque domaine. Le chef de l'État a retrouvé sur le terrain urgence dans chaque domaine de vie. Tout était amour, tout était par terre. Il fallait à reconstituer dans chaque domaine. Justice, va reconstruire. Éducation, va reconstruire. Nzela, va reconstruire. Santé, va reconstruire. C'est pourquoi, tout le monde est là, mais vous allez vous renforcer, tout le patient, bon quelque chose changer. On est déterminé avec le chef de l'État. Soyons tous unis derrière lui, les choses vont aller bien. Merci, Président Willy. Merci, Excellence, Monsieur le ministre.